Bonsoir chers internautes de Econ TV, heureux de vous retrouver dans ce numéro du Flash Actu. Le démarrage de l'examen du baccalauréat, session de juin 2024, est effectif depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. 75 373 candidats, classés dans 136 centres d'examen, composent dans 14 séries et filières, avec une augmentation du nombre de composants dans les séries techniques comparativement à l'année dernière. Cet effectif compte aussi 6 amblyopes ainsi que 9 sourds et malentendants. Au total, 61 épreuves sont sélectionnées pour les 14 séries et filières avec des sujets conçus pour être à la portée du candidat moyen, selon le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Et puis la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. La création d'un collège de ministres conseillers à la présidence proposée par le président Patrice Talon est bel et bien conforme à la Constitution. C'est à travers une décision en date du 23 mai 2024 que les sept sages ont déclaré la conformité des décrets numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République et numéro 2024-006 007 du 9 janvier 2024 portant définition des secteurs d'intervention des ministres conseillers à la présidence de la République. Il n'y avait ni violation de l'article 56 de la Constitution ni de la loi organique numéro 2010-05 du 3 septembre 2010 qui fixe la liste des hauts fonctionnaires, déclarent les juges constitutionnels. Le chef de l'État étant détenteur du pouvoir exécutif, en raison de ses prérogatives constitutionnelles, peut nommer ses collaborateurs les plus proches parmi les personnes en qui il a confiance et fixer leurs attributions selon les clarifications de la Cour apportées par Banonto. Enfin, trois personnes arrêtées, des motocyclettes saisies. C'est la moisson de la police républicaine à Kétou, hier 16 juin, suite au démantèlement d'un ghetto. Les forces de l'ordre ont effectué une descente au quartier Oloronchogo suite à des plaintes des riverains et des dénonciations d'individus mal intentionnés s'approvisionnant en spiritueux de contrebande et en chanvre indien dans ce lieu. La fouille sommaire des lieux et des individus s'y trouvant a permis de confirmer ces plaintes persistantes, révèle la police. Des liqueurs frelatées en sachets, des emballages de chanvre indien sont trouvés lors de l'opération. Mesdames et messieurs, c'était tout pour le Flash Actu de ce 17 juin 2024. À demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.